rattrapé par la réalité. En vacances à Tahiti, en Polynésie française, Arthur n'a pas pu échapper à l'actualité des derniers jours, la prise de Kaboul par les talibans en Afghanistan. Les manifestations anti-pass sanitaires en France, les incendies partout dans le monde. Entre autres, en une semaine, le sentiment d'impuissance qui nous anime est terrible, les femmes afghanes replongent en enfer. Le Liban collapse, l'Algérie et la Grèce brûlent, Haïti compte ses morts, le variant Delta fait un carnage. La planète se meurt chaque jour un peu plus, a-t-il listé sur Instagram, déplorant, et pendant ce temps-là. On manifeste en France contre les vaccins et le pass sanitaire en criant à la dictature. Chacun ses priorités. Un message qui a immédiatement fait réagir Cyril Hanouna, entraînant une passe d'armes entre les deux animateurs. Arthur a néanmoins préféré par la suite profiter de la sérénité de l'océan Pacifique. Jeudi 19 août, sur Instagram, c'est une photo de lui, les pieds dans l'eau, qu'il a partagée. Avec à ses côtés, sa fille, Manava, qui vient de fêter ses 6 ans. L'animateur est en effet l'heureux papa de 3 enfants. Né de 3 mères différentes, Aaron, 23 ans, fils de Léa Avini, Samuel, 11 ans, fruit de sa relation avec Caroline Nielsen, et Manava donc, fruit de sa relation avec Marova Galanté. Et la dernière de la fratrie ne manque pas de faire le bonheur de son papa. J'ai tellement de choses à te raconter. A écrit Arthur avec émotion en légende du cliché. Ce qui n'a pas manqué d'attendrir ses abonnés. Touché par la complicité entre le père et la fille. L'essentiel est là, super papa. Des moments si précieux, des moments sacrés, profitez, ils grandissent vite. L'importance de la transmission, magnifique, très touchant, trop mignon. Ça n'a pas de prix, le papa avec sa fille, émouvant, l'amour entre père et fille c'est magique. C'est tellement beau, belle complicité, a-t-on notamment pu lire en commentaire. De quoi l'aider à se détourner un tant soit peu des actualités tragiques.